Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Le boss, le king, le maxi guide, Docteur Click des MicroKids. J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique. MicroKids, appelez-moi. Bonjour, bienvenue sur MicroKids Multimédia, l'émission qui fait des concerts tôt en pixels majeurs tous les dimanches. Aujourd'hui, Adagio en 32 bits et tempo virtuel. Et si vous ne connaissez pas encore la musique, il vaut mieux regarder le sommaire plutôt que de cliquer dans un violon. C'est une expression, somme toute. Sommaire. Ouverture de notre programme avec une balade chez les musiciens virtuels. Micro-dossier suivra au rythme de nos coups de cœur une fugue sur PC et Super Nintendo dans le cyberzoom. Le micro-flash en thermoclic majeur, c'est l'actu des jeux sans fausse note. Et notre programme s'achèvera par le cybertruc pour les nostalgiques de Phalanx et le concours pour gagner des consoles, des jeux, des t-shirts et des casquettes. Je n'entends pas la cornemuse. Comment voulez-vous faire un vrai concert virtuel sans cornemuse? C'est vrai, quoi. Chacun son truc, moi, c'est la cornemuse. Mais j'en connais un autre, Atao Tanaka. Lui, son truc, c'est le violon virtuel. Tanaka, regardez le micro-dossier. Aujourd'hui, la technologie permet des miracles. Quoi? Des miracles? Je demande à voir. Dans cette petite boîte qui est un disque magnétoptique, on a fait rentrer un orchestre symphonique. Il y a 100 musiciens là. Waouh! Pas mal, hein? Chacun peut avoir son petit orchestre à la maison, quoi. Là-dessus, on a des flûtes, des hautbois, des clarinettes, des trompettes, des trombones, des timbales, des contrebasses, des violons, des altos, des violoncelles, tout ça. Bon, les contrebasses, on a eu un peu de mal, mais on y est arrivé parce que c'est gros. En fait, vous travaillez à partir d'échantillons sonores. C'est le sampling. Explication. Alors, le sampling, c'est le fait d'enregistrer des vrais sons d'instruments et de pouvoir les rejouer à partir d'un clavier. Donc on peut avoir à sa disposition en fait tout un orchestre complet et faire vraiment de la musique, de la vraie musique. Ça, c'est impressionnant. Mais on a du nouveau avec Atao Tanaka. En effet, plus besoin de clavier avec son joujou le Biomuse, la musique virtuelle physique. Donc le Biomuse, c'est le système qu'on voit sur les avant-bras. On a trois électrodes qui captent les signaux bioélectriques qui les transforment, qui les transcodent en signal informatique. Il y a une petite tension qui sort du corps, qui représente les activités neuronales. Et là, ça nous permet, avec notre gestuelle et la tension musculaire, de jouer de la musique. Au bout de chaque geste, en fait, il y a un son, un échantillon de cette chanson qu'on va déclencher avec notre gestuelle. Là, on joue une espèce d'un rap interactif. On peut changer la voix sur une guitare. L'autre bras va faire clignoter les mots et déclencher les échantillons des mots isolés. Comme ça, on commence à reprendre un gestuel qui vient de la musique rap, capté par la nouvelle technologie pour piloter du multimédia sur CD-ROM. Ingénieux Atao Tanaka, ne le perdons pas de vue, je crois qu'il nous réserve bien des surprises. L'idée de faire moins de fois de la technologie était une de mes visions artistiques. Comme musicien, j'avais envie d'amener le côté physique, le côté d'action de là où on joue guitare, le piano, les vrais instruments. Moi, je crois que mon rêve, c'est de penser de la musique et de le faire sortir. Et d'avoir la musique qui sort, peut-être même pas des haut-parleurs, mais d'avoir la musique autour de nous. Merci à Atao. Et surfer sur le net au rythme de la musique virtuelle, ça vous chante? Je suis Raphaël Evig, je suis compositeur, je joue sur Internet. Rocket Surfer est un groupe virtuel dans le sens où on joue à distance. Pour l'instant, c'est un groupe de 15 personnes éclatées dans le monde et on fonctionne exactement comme un groupe de musique dans un local de répétition, sauf que ce local est virtuel. Sur ce morceau, par exemple, moi j'ai fait la trompette, j'ai fait la charlée, la grosse caisse a été enregistrée en Australie, la caisse claire en Angleterre, la basse à Chicago. Ok, donc j'enregistre la charlée qui est, comme tout le monde le sait, une des parties de la batterie. Ça donne ça. Et ensuite, je clique sur un bouton qui s'appelle Set Pattern et tout le monde le reçoit. Donc ça se fait en deux temps en fait. Mais alors quoi? Le temps des grands concerts live s'est dépassé? Ça remplace en aucun cas ce qu'on peut vivre quand on joue dans un vrai local avec des gens en chair et en os, mais c'est une expérience qui est incroyable. Stop! Arrêtez-moi ça! Il n'y a toujours pas de cornemuse! Alors vaut mieux passer au cyberzoom. Une surprise sur Super Nintendo. Ça vous étonne? La suite du grandissime Secret of Mana. Tout commence dans une charmante ville de France en 1965 où un savant fou a inventé une drôle de machine. 30 ans plus tard, accompagné de votre fidèle compagnon, vous trouvez cette surprenante machine qui va vous expédier directement dans un autre monde peuplé de bien étranges créatures. L'aventure commence. La magie triomphera-t-elle des forces du mal ? Ce n'est pas joué d'avance. Toutes les contrées hostiles que vous traverserez sont peuplées d'immondes créatures. Mais elles cachent aussi beaucoup de trésors, ça motive. Et puis toutes les créatures que vous croisez ne sont pas toutes méchantes. Certaines même sont prêtes à vous aider. De quoi se plaint-on? Il ne vous reste plus qu'à apprendre à vous servir des différentes armes et à concocter de savoureux mélanges magiques pour obtenir des sorts et des pouvoirs. Ah, cette réalisation est un pur chef-d'œuvre dans le genre. Tout y est, des musiques superbes, des graphismes simples mais soignés, une ambiance incroyable et une durée de vie exemplaire. Recette d'apprenti sorcier. Dans un monde où les forces du bien et du mal s'affrontent, où la terreur, le pillage et les massacres sont monnaie courante, il est bien difficile de survivre, à moins de s'appeler Docteur Click. Blood and Magic sur PC est un mixte plutôt réussi de wargame et de jeux de rôle aventure. Plongez dans un univers médiéval fantastique et dirigez vos troupes. Lesquelles? Eh bien, l'armée des hommes ou bien celle des démons, à vous de choisir. Sélectionnez une conquête, un territoire, l'allure de vos soldats et que la fête commence! Ah, au début, tout paraît simple et enfantin. Quoique! Et puis, tout s'accélère. Vos ennemis lancent des dragons, des mages et autres créatures démoniaques contre vos troupes. J'en ai froid dans le clic. Défendez vos territoires. Accumulez de l'expérience pour avoir encore plus de soldats et de magiciens. Triomphez de vos adversaires à coups de massue et de pouvoirs magiques. Bien que riche en décors et bien conçu, avec des histoires sympas, Blood and Magic souffre tout de même de musique pas terrible et de graphisme simple. Dommage. Mais ce wargame n'exige cependant qu'un petit PC. Alors plus d'hésitation, chargez! Ah, vous entendez? C'est une cornemuse, si je ne m'abuse. Il vaut mieux un écossais en avance qu'un microflash en retard. In Conquest of the New World, ou bien encore Conquête du Nouveau Monde, vous êtes un cyber-Christophe Colomb façon 20e siècle. Pas mal. Intelligence artificielle béton, interface ultra complète, possibilités réseau et musique d'époque sont au rendez-vous. C'est à coup sûr le meilleur jeu de stratégie du moment. Mais prouver ses talents de stratège pour venir à bout des Indiens, ça laisse à réfléchir. Enfin bon, notez que ça rame sur les petites configs. Ça rame, hein, explorateur, bateau. Ah, je suis en forme, moi. Allez, 5 turboclics. Cette nouvelle version de Toshinden Remix sur Saturn plaira aux amateurs de frappons-les en l'air, c'est sûr. Et pourtant, ce n'est qu'une pâle reproduction de la version PlayStation. Bon, le story mode et la mise en jeu d'un nouveau boss augmentent le challenge, certes. Si toutefois, vous parvenez à éviter les bugs et que vous faites abstraction de l'affreux décalage sonore entre les coups et les cris. Non, c'est lent et ça manque vraiment de pêche. 3 thermoclics. Aïe, 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 aïe. Dans l'enfer de l'Ouest, seuls les durs peuvent s'en sortir. Ok, cowboy? Vous incarnez la justice et votre dieu, c'est la loi. Stoppez l'infâme Mad Dog et remettez la main sur le trésor perdu. Digne successeur du premier volet, Mad Dog 2, c'est plus d'humour, plus d'action, plus de suspense, plus de romantisme et surtout beaucoup plus de rebondissements. Dégainez votre colt pour de superbes séquences vidéo, de sensuelles rencontres et sus aux villes truands des Far West. En selle pour 4 thermoclics. Yeah! Oh oh, j'ai l'impression que vous feriez bien de prendre des notes. Cybertruc. Certains se souviennent de Phalanx. Mais oui, ce fabuleux shoot'em up sur Super Famicom. Eh bien, il revient. Ah, si, si, dans Zero Divide. Psst. Mais pour y accéder, il faut connaître le code secret. À l'écran Zoom, juste après l'apparition du logo, appuyez simultanément sur les boutons Select et Start du second paddle. Au bout de quelques secondes, l'écran titre apparaît. Phalanx. Et une petite pression alors sur le bouton Start du premier joypad. Et vous voilà plongé dans l'enfer de l'espace. Yeah, yeah, mieux vaut tard que jamais. Cache! Remarquez, c'est normal. Essayez de faire comprendre à un disque dur qu'il faut souffler dans un sac pour faire de la musique. Ah! Autant essayer de répondre à la question du docteur Click. Question! Quel est le titre du jeu qui est la suite de Secret of Mana? Blood and Magic? Conquest of the New World? Secret of Evermore? Secret of Mana 2? Alors, donnez vos réponses par Minitel sur le 3615 France 3, rubrique MicroKids, ou bien par téléphone au 3669 0003. Vous pouvez toujours mettre un gift à votre micro ou acheter un ordinateur qui porte un nom écossais. Vous n'aurez pas pour autant le son de la cornemuse au fond des bois. Non, non, je suis le seul qui détient le secret du sac à pipeau virtuel. Ah, 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 sac à pipeau, c'est bien vrai ça. Ah, 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 je suis d'accord, dehors le clown multimédia. Bonjour, je suis votre nouveau présentateur virtuel. Pas du tout, c'est moi le nouveau. Ah, ben, ah non! Ça va pas recommencer! C'est pas parce qu'on fait un dossier spécial la semaine prochaine sur les animateurs virtuels à la télé qu'il faut se pointer et demander du boulot à Docteur Click. C'est vrai, quoi. C'est pas parce qu'on est sur France 3 qu'il faut 3 clics. Non, d'un clic dehors, les doublures. Bon, on mettra ça au clair la semaine prochaine. Sur France 3, la seule chaîne qui a toujours un double clic d'avance. Tous mes clics et à bientôt! Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Boss, the king, the max.